Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Psychologie de comptoir. Happy birthday! Quand on regarde un film et qu'on s'y intéresse un minimum, on aura toujours un avis sur les personnages. Que ce soit dans un film ou dans une série, certains personnages vont nous agacer, nous émouvoir, et nous allons même tomber amoureux de ces personnages. Bref, si vous ressentez toutes ces choses, que ce soit de la lassitude ou de l'émerveillement, c'est grâce à une chose merveilleuse, la psychologie des personnages. Là, ça y est, vous comprenez un bout du nom de mon émission, mais pourquoi psychologie de comptoir ? Simple. Régulièrement, vous entendez ce petit bruit. Plus vous l'entendez, et plus on arrivera à un état dans l'émission. Ou plus j'aurai envie de me bourrer la gueule, mais ça, vous le saurez pas. Si vous tapez sur Google Recherche Psychologie des personnages, vous allez tomber sur une liste de bouquins ou de conseils pour la psychologie des personnages dans un scénario. Mais je vais abréger vos souffrances et donner du répit à votre portefeuille. La psychologie des personnages fait partie intégrante d'un dossier scénaristique. Sous forme d'un tableau, la psychologie des personnages est déterminée avant l'écriture d'un scénario, elle est utile lors de l'écriture mais aussi lors du casting. Elle se divise généralement en 4 points. Le physique, la psychologie, la position socio-culturelle du personnage et une case divers. Du moins c'est ainsi que l'on me l'a appris et ça marche plutôt bien. Ce type de tableau permet, lors de l'écriture du scénario, de ne pas amener un personnage dans une zone qui s'écarte de près ou de loin à la zone dans laquelle il devrait être. Je m'explique. Prenons l'exemple de Juno. Flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Juno est un film de Jason Reitman réalisé en 2007 avec au casting Ellen Page, Michael Cera et Jennifer Garner, entre autres. Bien entendu, Juno aura besoin de l'aide de sa belle-mère, de sa meilleure amie et surtout de Polly, le père de l'enfant. C'est d'ailleurs cette fragilité que Juno ne veut montrer sous aucun prétexte qui donne l'occasion de faire des scènes absolument émouvantes, notamment la scène finale à l'hôpital. Il était impensable qu'à un moment donné dans le scénario, Juno pète un câble comme ça devant son père ou sa belle-mère en hurlant à plein poumon et en pleurant toutes les larmes de son corps parce qu'elle est en clope. Je vais finalement spoiler le film, alors n'hésitez pas à aller à la suite de la vidéo en cliquant sur la notation pour pouvoir arriver plus loin dans la vidéo. Je vous conseille vraiment de passer ce passage car Juno doit se découvrir et là ça va être sale. Bref, continuons dans la psychologie des personnages. Vous êtes téméraire, j'aime ça. Vous êtes toujours là, hein? Bon, bah tant pis, on y va. Juno ne veut pas montrer à Polly qu'elle l'aime comme un dingue, et elle ne veut pas montrer qu'elle souffre d'avoir, je cite, la pièce à conviction de leur première fois sous son pull. Du coup, quand elle apprend de la bouche de Léa que Polly va avec une autre au bal de l'hiver, elle pète un câble et surtout qu'elle sait qu'il va probablement y avoir des petites cachotteries avec la baronne de la tronche en biais. Juno devient alors méchante et mesquine avec le pauvre Polly qui n'a rien demandé et décharge sur lui toute son amertume autour de l'enfant au point de rejeter toute la faute sur lui. Et ça, c'est Juno. Elle ne hurle pas devant, elle n'est pas hystérique, elle rejette avec méchanceté pour éviter de montrer que sous cette grosse carapace, psychologique, pas son ventre, il y a une jeune femme comme les autres qui souffre et qui a envie d'aimer, de pleurer, d'être une quiche pour reprendre ses propos. Juno est une bombe à retardement qui n'explose réellement à la fin du film, après l'accouchement, lorsqu'elle et Polly se câlinent tendrement sur une BO magnifique. C'est bon les enfants, le spoil est fini, vous pouvez regarder. Bon voilà, je me suis vaguement écartée, mais je pense qu'il fallait passer par ce long exemple pour vous faire comprendre que la psychologie des personnages est importante. Qu'elle soit posée sur papier ou inconsciente, elle dirige le personnage dans l'écriture, mais aussi l'acteur afin qu'il s'imprègne pleinement de sa situation. La poser sur papier est très utile lorsque le tournage commence à comprendre une grosse équipe, et surtout si vous tentez de percer dans le milieu professionnel du scénario. D'après moi, et maintenant que j'ai déjà expérimenté le tournage de manière plus ou moins vague, je pense qu'il est essentiel autant pour les acteurs que pour vous-même de poser la psychologie des personnages sur papier. Personne n'est dans votre tête pour deviner comment doit être un personnage. Ce tableau est une base qui attira un autre tableau, l'évolution des personnages. Nécessaire pour les personnages centraux, le tableau des évolutions contient dans les 4 catégories physiques, psychologiques, socioculturelles diverses ce qui a changé. Comment votre personnage avance dans son histoire? À la fin, qu'est-il devenu? Dans les films, cette évolution est frappante. J'ai actuellement en tête Gaz de France de Benoît Forgeard, mais beaucoup d'autres films sont aussi frappants. Saga mise à part, je parie que Kylo Ren vous retournera la tête dans les prochains Star Wars. Dans les sagas ou les séries, l'évolution peut être plus lente. Je ne vais pas m'étendre sur Kylo Ren. Ouais, ça serait dégoûtant. Quoi? Mais tous les personnages de saga ont une évolution lente. Je pense notamment aux récents, Katniss Everdeen, Thomas dans le labyrinthe, même des personnages plus secondaires comme Drago Malfoy finissent toujours par avoir une évolution.
Il en va de même pour des personnages comme Frodo ou Sagesse si on veut plonger dans les classiques. L'important, c'est qu'à la ligne d'arrivée, votre personnage est là où vous voulez qu'il soit. Pour les séries, c'est un peu plus complexe. Les séries sont une évolution constante du personnage. Le personnage n'arrive à son évolution finale que lorsqu'il disparaît de la série. Le personnage, pas l'acteur. Car bon Dieu, il y avait tellement de choses à faire avec Nathan Young. Ou lorsque la série arrive à son terme. La mort prématurée d'un personnage abrège souvent son évolution, mais on peut sentir le changement évident du personnage. Oui, c'est le retour du spoil. Supernatural, Teen Wolf, Skin, Vampire Diaries, Oh, I Met Your Mother. Vous avez 10 secondes pour zapper, car là, ça va spoiler encore plus sévère que pour Juno. Et ne venez pas me dire que je vous ai pas prévenu. Dans Skins, un personnage meurt par génération. La joie, quoi. C'est moi. Saison 1 à 2, c'est Chris. Saison 3 à 4, c'est Freddy. Et saison 5 à 6, c'est Grace. On a cette montée en maturité incroyable qui rend le personnage d'autant plus fort. Face aux responsabilités auxquelles ils font face, à savoir que Chris est le père de l'enfant de Jal et Kefi pète littéralement les plombs, les personnages deviennent plus sages, plus protecteurs et se rendent enfin compte qu'ils ne sont plus des enfants. Et si Grace meurt de manière vraiment prématurée, contrairement à Chris ou Freddy, c'est à travers Rich que grandit Grace et que son âme d'enfant s'envole. Elle permet à Rich de grandir et de prendre ses couilles à deux mains pour affronter le monde. Au final, sa véritable évolution prend fin à la saison 5, mais continue de perdurer auprès de Rich. Je pense qu'il ne faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Un personnage qui meurt parce qu'il doit mourir, ça sent bon, ça fait vibrer, ça émeut, car on voit qu'il est arrivé au bout de son évolution et donc au bout de sa vie. Alary, Callison, Charlie, tout ce beau monde qui meurt sans qu'on leur demande leur avis atteignent toujours le stade final de leur évolution. Et quand leur évolution n'a pas beaucoup d'intérêt sur la série, c'est sur celle des personnages principaux qu'elles ont un impact. Est-ce que je pense donc que la fin d'une série est une sorte de mort spirituelle ? Oui. Welcome back, little babies. Les séries, c'est d'après moi le démon pour la psychologie de personnage. À tout moment, l'acteur principal peut décider de se barrer, empêchant le personnage d'atteindre son véritable but. C'est un peu comme s'il faisait une course à vitesse variable avec la ligne d'arrivée au bout, mais juste avant, l'acteur arrive, batte de baseball en main et vient lui éclater les deux genoux. Fin de la course, bye bye. De plus, certaines séries n'ont jamais de fin. C'est le cas principalement des séries animées. Attention, quand je parle de séries animées, je ne vais pas parler des choses comme Simpsons, Futurama, Family Guy, mais plutôt des séries animées pour les enfants. Sauf les animés. Oui, certains animés auront fait toute votre enfance, mais ce sont des séries à part entière. Non, quand je parle de séries animées pour enfants, je pense à des choses comme Charlotte aux fraises, Mon Petit Poney ou Robocar Polly. Comment je connais ça ? Présente. La psychologie d'un personnage est présente, certes, mais le secret de ces séries, c'est que l'évolution se fait dans un épisode. Croyez-moi, à force de mater Gulli, la forme de chaque épisode s'imprègne dans votre cerveau et s'encode afin de ne jamais en sortir. Un personnage fait quelque chose de mal, on essaie de l'aider, il veut pas, et puis finalement il se rend compte que c'est bien quand même l'aide de ses amis. L'évolution est courte mais efficace, et un épisode est généralement amplement suffisant pour ça. Plus ça va, plus les séries tentent d'aboutir à une véritable fin pour leurs dessins animés, et commencent à se lancer dans des saisons. Intérêt ? L'important dans ces séries, c'est la psychologie de base du personnage, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que... Quoi ? Vous croyez quand même pas que je vais parler de vos dessins animés pour le fun ? Comme ça arrive. Bon, déjà on va commencer par poser quelque chose. Les Zinzins d'Espace, c'est LE dessin animé à sous-entendu par excellence. Si le fait qu'Iggy Pop ait fait le générique ne faisait pas ni la puce à l'oreille quant au salut de la série, eh bien... Bon, et alors ? Elle vient cette bière ? Quand je dis que rien n'est laissé au hasard dans la psychologie des personnages, c'est littéral. Ça peut en aller jusqu'au nom du personnage et les Zinzins d'Espace en sont une putain de preuve. On commence par où ? Commençons par le chef d'équipe Ethno. Ethno vient du grec qui veut dire peuple, ethnie. Ethno est l'intelligent de la bande, il cherche constamment à étudier. Qui se dit logos en grec. Croyez-moi, ça prendra tout son sens dans pas longtemps. Alors la première chose qu'il fait quand il s'est écrasé sur Terre, c'est étudier les humains. Ça commence à venir ? Bon allez, j'aide un peu. Si on ajoute Ethno, le nom de notre petit extraterrestre, et logos, le mot pour étude en grec, on obtient ethnologie. Je vous assure que rien n'est laissé au hasard. Et si vous pensez qu'Ethno est le seul et que je le prends pour exemple car c'est le seul que j'arrive à analyser, vous vous fourrez le doigt là où je pense. Prenons l'exemple de Candy. Stop ! Pause. Candy n'est pas une fille.
Oui, il a le prénom d'une fille. Oui, il se transforme en fille. Oui, il est le stéréotype de la femme au foyer. Mais non, Candy n'est pas une fille. Personnellement, je pense que les enfants ne sont pas en mesure de relever ce côté transgenre de Candy. Pas parce qu'ils sont débiles, mais parce que moi-même, étant enfant, je pensais que Candy était une fille et il n'y avait pas de grands indicateurs que c'était un garçon. Je reviendrai plus tard sur le côté transgenre du personnage et son impact dans la série, mais pour le moment, je pense qu'on peut passer au personnage suivant, à savoir Gorgeous. Gorgeous est, je pense, la plus grosse ironie de la série. Gorgeous, c'est le gros porc sale qui se goinfre tout le temps et qui a un visage en gras. Bah, faut dire ce qui est. Gorgeous en anglais est un terme qui veut dire adorable, mignon, joli. Je pense qu'à ce niveau, Gorgeous échappe vraiment à la règle et à la définition par la grande porte. Car au-delà de son physique, et ça j'y reviendrai plus tard, Gorgeous est méchant, vulgaire et ne sait pas bien se comporter en société, ce que lui reproche souvent Candy. Mais passons, sinon je vais trop m'enfoncer dans l'analyse et la suite perdra de son intérêt. Ensuite on a Bud. Bon Dieu, Bud. Bud est caractérisé comme beaucoup de personnages débiles dans le dessin animé, à savoir grand, gringalet et avec un visage qui inspire la gentillesse et la confiance. Si vous n'aviez pas encore remarqué, plus les personnages sont grands, plus ils sont gentils. Boom dans Linus et Boom, Avril Dalton, Obélix, Rekit, les plus grands personnages sont généralement un peu simplés et pas méchants pour un sou. Plus c'est petit, plus c'est ténueux à ce qu'on dit. Bref, Bud, simplé, gentil, confiance, vous avez capté? Oui, car j'ai vraiment hâte de passer au prochain, à savoir Stéréo. C'est du génie. Non mais sérieux les gens, Stéréo quoi. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment ou du moins autant que moi, le son stéréophonique se définit par une reproduction sonore visant à reconstituer la répartition de l'espace des sources d'origine. On obtient cette reconstitution à l'aide de deux canaux qui nous servent de haut-parleurs, d'écouteurs ou de casques. Deux têtes, deux écouteurs, droite, gauche, vous faites un dessin ou vous avez capté? Deux têtes valent mieux qu'une. Bon, on pourrait croire que ça a juste éclaté les mecs de prendre des noms comme ça pour déconner. Mais non, ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient génial. Sérieux? 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 Les Zinzins de l'espace est une véritable critique sociale. Quand je dis ça, les gens me regardent souvent avec cette tête et finissent par dire Mais je ne plaisante pas. J'ai remarqué ça il y a quelques années déjà et depuis je n'ai que ça en tête. Les Zinzins de l'espace est une critique sociale et plus particulièrement des abus au lycée ou au collège. Je ne vous apprends probablement rien lorsque je vous dis qu'à l'école et plus particulièrement au lycée ou au collège, parce que c'est à ce moment-là que le besoin de reconnaissance, de popularité et de confiance en soi est un cap important, certaines minorités sont mises souvent à l'écart, rejetées ou même insultées. En général, plusieurs catégories sont principalement mises à l'écart. Les intellos chouchous de la prof, l'homosexualité, la transsexualité, l'androgénéité, les personnes victimes d'un handicap physique et ou mental, les gens qui ont des problèmes évidents de poids et les gens bêtes. Les gens bêtes, c'est vulgaire, je l'accorde, car par bêtes, j'entends les gens qui sont considérés comme bêtes, car ils ont des difficultés évidentes d'apprentissage et c'est empathie évidemment sur l'intégration sociale. Bien sûr, j'abrège car on peut rabaisser quelqu'un pour tout et n'importe quoi dans ce bas monde. Et qu'on vienne pas me dire que c'est la faute des réseaux sociaux, hein. Le harcèlement scolaire ça existait bien avant l'arrivée d'internet. Mais si je m'intéresse à ces différents points, c'est parce que c'est bien évidemment ceux qui sont abordés dans les Zinzins de l'espace. Des aliens atterrissent sur Terre, une planète où tous les autres sont différents d'eux. Ils ne rentrent pas du tout dans le moule du conventionnel, surtout physiquement. Ils sont donc contraints de se cacher dans une maison abandonnée qui reçoit de régulières visites afin qu'elle soit vendue. Pas de bol, les aliens sont sur le point d'être découverts et à traiter comme des bêtes de foire. Seule solution, la machine d'Ethno, le SMTV. Étrangement, je pensais trouver plus de sites porno en cherchant SMTV sur Google. Ainsi, ils deviennent humains et peuvent ouvrir la porte aux nouveaux voisins, aux clowns ambulants, aux astronautes, etc., etc. Bref, je pense que je n'ai pas plus besoin de vous faire un dessin animé. Des bêtes de foire tous illustrant des catégories de jeunes mises à l'écart ou insultées, se cachant derrière des couvertures pour ressembler à tout le monde, le tout se cachant dans une maison pourra à l'écart et en hauteur. Ah bah oui, appelez Edouard Romain d'Argent, je suis sûr qu'il vous expliquera mieux que moi. Vous allez me dire, ouais, mais forcément c'est des aliens, ils viennent d'une autre planète, lol. Ah ouais? Et pourquoi pas faire des personnages comme les Dalton, des échappés de prison qui se réfugient dans une baraque en jouant les gentils pour échapper au jugement des autres? Ou je sais pas moi, un alien comme Cathy qui, au-delà de son véritable prénom imprononçable, ressemble à n'importe quelle adolescente? Sérieusement, je pense pas que les Zinzins de l'espace soient un simple dessin animé à prendre à la légère dès qu'on a passé un certain âge. Les dessins animés ont le don pour transporter des doubles sens incroyables et des messages qui se glissent à droite à gauche aussi bien que les références de Deadpool. Si un jour vous en avez l'occasion, passez-vous quelques épisodes de ce dessin animé avec ce message en tête. Le but est que vous voyez ce que je veux dire à travers mon message. Ce dessin animé a beaucoup à nous offrir et ce n'est pas le seul. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'introduction jusqu'au bout, aussi long soit-il. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, vos propres avis sur la psychologie des personnages ou sur les Zinzins de l'espace. J'espère que cela vous aura plu et qu'on se retrouvera pour une prochaine émission. Ciao, bye bye!